Abbé Jacques Ganga, Abbé Ngwabi, avec la foi on peut déplacer les montagnes. Ma Georges Merjo. Nzela mokonzi ezali alima. Kasi basumuki bako tuta mabuku. Bato ya mitema mabe, repentez-vous car le roi est mon Dieu. Ma pire fois sur scène, donc je joue mon spectacle 4 fois par semaine, ce qui fait beaucoup d'occasions pour vraiment qu'il y ait des moments pourris et des méga bides. En l'occurrence, un jour, un jeune homme est arrivé, il se pose au premier rang et au bout de 4 minutes de spectacle, il me dit « Bah moi je te ferais bien l'amour !» Donc je commence un peu à le vanner dessus en disant « Ouais mec, t'es un peu chaud. » Je le vanne pendant tout le spectacle, ça devient un running, c'est cool. 2 semaines plus tard, cette personne décide de revenir. Yes! Pendant tout le spectacle, il essaie de me regarder. J'essaie vraiment d'ignorer cette personne. Mais au bout d'un moment, il parle très fort. Et je lui dis, par contre, vraiment, tout le monde vous entend, monsieur. Et il me dit, mais tu me reconnais pas? Je suis Cédric. Oh, Cédric, quel bonheur de te revoir, dis donc. Ça, c'était la 2e fois. Il revient genre 1 semaine plus tard. Et là, il refait les mêmes trucs. Il parle aux gens. Il est relou. J'essaie de vanner pendant le spectacle. Mais sauf que tu peux pas trop le vanner, sinon ça met une mauvaise ambiance générale. C'est horrible. Je reprends mon spectacle pour 1/4 fois. Et là, d'avance, je vois qu'il est là. Du coup, je dis à Dorian, qui s'occupe de la billetterie, que tu peux au moins le mettre au 4e rang. Du coup, elle se permet de lui dire extrêmement gentiment, puisque vous avez déjà vu le spectacle, on aimerait privilégier les gens qui n'ont jamais vu le spectacle. Elle trouve des excuses un peu cheloues. Il va au 4e rang. Et ce jour-là, j'avais ma copine Marina Kars qui était en première partie. Et au moment où Marina rentre sur scène, le mec va aux toilettes et il se replace au 1er rang. Je suis montée sur scène et au bout de 4 minutes de spectacle, bah si, je te l'ai déjà dit, moi, j'aimerais bien te faire l'amour. Mais mec, je te pose même pas la question pendant le spectacle. Je dis pas, qui voudrait me faire l'amour? Continue comme ça avec son air un peu chelou et il avait ramené un pote. Il était genre bah moi aussi je regarderais bien ce qu'il y a sous ta chemise. On est tous un peu gênés. Et donc ce même jour de l'angoisse où il y avait Cédric et son ami, je commence une chanson et j'entends. Du coup je regarde Cédric, je fais qu'est-ce qu'il y a Cédric? Et il fait ah non moi j'ai rien dit. Et j'entends il y a un malaise. C'est-à-dire qu'au milieu de mon spectacle, une jeune femme a fait un malaise, toute la salle se lève et va vers la meuf, ce qui est une très mauvaise idée. Et du coup, je me dis, non mais attends, c'est l'angoisse. Comment gérer Cédric et Frédéric qui ne savent visiblement pas tenir leur braguette? Et comment gérer une jeune femme en train de potentiellement mourir? Du coup, je dis, ok, alors toutes les personnes debout, vous venez avec moi sur scène. Et là, je me suis transformée en pompier, mon frère. Je fais, Nico, allume la salle. Alors, messieurs, dames, on va rester tranquille. Toutes les équipes du Sens Idéal sont formées pour ça. C'est entièrement faux. Je tiens juste à dire que personne n'est formé dans ces cas. Et en fait, bon, Dorian et Nico ont très bien géré la situation. Et la chance qu'il y a eu, c'est que d'un coup, j'entends, je suis pompier et moi infirmière. Et cette scène est lunaire. Frédéric et Cédric étaient devant au 1er rang. Ils étaient en train de me dire « Mais elle va bien la dame ?» Mais mec, je sais pas. Donc il est en train de paniquer toute la salle et je lui dis « Écoute Cédric, c'est pas le moment, si tu veux on en parle après, d'accord ?» Donc j'ai assisté à l'évacuation d'une de mes spectatrices en cochon de lait. Vraiment,
J'étais genre, voilà, je continue le spectacle. Et au bout d'un moment, Cédric, dans sa grande finesse, me dit, elle va bien la dame. J'ai dit, écoute, Cédric, si tu veux aller vérifier, je te propose de sortir de la salle. Il a dit, bah non, non, parce que j'aime bien te regarder. Frédéric fait de même. J'étais extrêmement écœurée. Et j'ai dit, bah Cédric, on se parle à la fin du spectacle, parce qu'à chaque fois qu'il était venu me voir, il ne m'est jamais venu me parler. Il n'est pas resté, donc j'ai même pas pu tenter d'établir un dialogue avec cette personne pour lui dire ne viens plus me voir. Et donc là, je vis dans la peur il va potentiellement venir à chaque spectacle. Donc normalement, on l'a un peu blacklisté, j'avoue tout, parce que cette personne fait peur. Voilà, cette personne est angoissante. Et si vous voulez des nouvelles de la jeune femme, elle va bien. Si je peux vous donner une raison pour laquelle elle a fait un malaise, c'est parce qu'il faisait extrêmement chaud et que cette personne a gardé son écharpe, son manteau et son bonnet. Alors déjà, un conseil, si vous venez voir un spectacle, n'hésitez pas à enlever vos manteaux, ça vous évitera tout malaise vagal. Ensuite, si vous êtes Cédric, déjà ne venez pas à mon spectacle. Et si vous êtes Frédéric, ne dites pas à Cédric que c'est cool ce qu'il fait. Voilà. Essayez de retenir vos potes. Et ça, c'est cool. Mais on est où là? Yeah, assayant oh, assayant oh, on est fatigué, assayant oh, on est fatigué. Yeah, assayant oh, assayant oh, on est fatigué, assayant oh, yeah. Ce que je n'ai jamais vu, il faut faire, je vais voir. Ça fait longtemps tu me poursuis, on est fatigué. Ça fait un an tu me suis, je suis fatigué de courir. Je suis prêt à mourir, on est fatigué. Yeah, assayant oh, assayant oh, on est fatigué, assayant oh, on est fatigué. Yeah, assayant oh, fatigué, assaillant, oh yeah. On est fatigué. En 2 ans seulement, les paysans vont en boîte. L'école est devenue cadeau. Cacao a marché. La 3e année, qu'on devait prendre pour percer là. Vous avez pris pour faire pas là. Si c'est pas sorcellerie, moi je comprends pas. Tu connais pas prix de briques. Mais c'est toi qui s'est cassé maison. On est fatigué. Yeah, assayant-o, assayant-o, on est fatigué, assayant-o, on est fatigué. Yeah, assayant-o, eh, assayant-o, nous on est fatigué, assayant-o, on est fatigué. Nien, nien, nien. Mais les jamais ils sont bizarres quoi. Les gens n'aiment pas les gens. Ce que je n'ai jamais vu, il faut faire, je vais voir. Il y a longtemps tu me poursuis. On est fatigué. Ça fait un an tu me suis. Je suis fatigué de courir. Je suis prêt à mourir. On est fatigué. Tu m'as loupé la nuit. Ce n'est pas à midi que tu vas me faire quelque chose. Vous-même vous savez, vous vous fatiguez, vous vous battez pour rien. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas élection. Tu m'as tout demandé, je t'ai tout donné. Réconciliation d'accord, mais déposez les âmes d'abord. Yeah, on est fatigué. Yeah, assayant-o, assayant-o, on est fatigué, assayant-o, on est fatigué. Yeah, assayant-o. On est fatigué, on est fatigué. Existe-t-il une solution politique à un coup d'état manqué? Laisse tomber, ça a échoué. C'est déjà gâté. Belle chanson, mais là on voit que tu essaies de prendre le cachet de ton père, Quentin Moulescu. C'est qui pour toi Quentin Moulescu en réalité? T'as dit, c'est un père pour toi, tu nous le dis tout le temps en fait. Mais c'est évident, je lui dis haut et fort, papa, 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 papa. Et donc là t'as pris son style en fait dans la chanson. Ntababo tarangouloute. C'est comme quand on le dit, tu vois, un aigle peut pas faire un pintade.
D'accord. Il va faire qu'un nègre. Okay. Donc moi, tant que le fils de Quentin, je peux que suivre ses traces. D'accord. Donc, je fais la... Je suis là pour... Et c'est quoi? C'est un clip? C'est un maxi single? C'est quoi exactement? C'est un album qui va venir? Bon, pour l'instant, c'est Rose. C'est Rose, c'est un single. Si Dieu nous permet, si Dieu nous donne la force, Au Sommet va venir. Au Sommet, ça sera ton titre? Ouais. Ok, d'accord. Qui est-ce qui a réalisé cette chanson? Programmation, accompagnement, qui? T'es assisté de qui dans cette belle chanson? Bah, j'étais assisté des frères, des grands frères, qui est au clavier, Brice Malonga, que je salue. Brice, je connais bien, oui. Programmation, guitare, machin, c'est Abdo Mundele, c'est un père pour moi. Banda Musica, il m'a forgé ce mec. Oui. Et à la basse, Herman, oui, qui est aussi. Tu vois, tout ce monde que je parle là, c'est... Comment dirais-je, c'est les prodiges de Quentin. D'accord. Et Sosten aux images. Sosten Samba. Ouais, ouais. Et voilà quoi. C'est tout ce monde-là qui m'a... Et il y a une qui a fait des chœurs, c'est Tina. D'accord. Tina, ouais. En tout cas, Elvis Kelouba, tu es venu ici pour nous présenter officiellement le clip qu'on vient de regarder. Tu es surtout venu nous parler aussi de ton maxi single qui fait la composition de ce clip. Et ben du coup, nous sommes contents de te recevoir ici. Même si vous commencez à vous éparpiller, ce n'est plus le but qui vous emmène ici en France avec Quentin Moresco. Il sait que tu vas faire un single. Tu lui as donné l'autorisation ou bien t'as pas besoin? Non, j'ai toujours besoin parce que un enfant a toujours besoin de la bénédiction de son père. D'accord. Ce projet, je l'ai parlé de ça à... Ah, je pense que ça peut dater de 5 ou 6 ans. Parce que je me souviens, en cette époque-là, on avait fait un concert à Savigny, ici. Ouais. Ouais, c'était les millénaires. Et moi, ouais, à la baguette, il y avait le conseiller si, ouais, au millénaire à Savigny-le-Temple. Je lui ai parlé de ça. Oui. Et je lui ai parlé à papa, talangai, talangai, talatalabo. Il m'a répondu ce qui m'a répondu. Je me bats pour la fierté de mon... De mon daron. Donc, de là, mon père. Tu te bats surtout pour toi-même, carrière solo. Mm-hmm. Carrière solo et bandit. Ouais, et bandit. Ah. Maman, oui, bandit. D'accord. Donc, petite animation, comment il y a maintenant pour te qui m'ont bon pays? Non, je ne peux pas. Koloba, qu'il y a une petite animation parce que même depuis Namboka, Nazaki, qui a composé Banzé, mon Nazaro, Yemba, Balibala, Yabato, tu vois, les chansons pour les mariages des gens, j'ai composé pour les gens. Je suis chanteur, animateur, concepteur, créateur des concepts. D'accord. Plus précisément, on veut le dire quoi. Parce que celui qui m'a pris à être créateur des concepts, c'est le Dalai Lama, le Vavavong de la ville, que toute la ville en parle. Ah, il t'a appris quoi exactement? Déjà, le showbiz de la nuit, pour être un docteur du micro, quand tu cites un docteur du micro, tu vas savoir comment créer les concepts. Donc, c'est lui qui t'a emmené dans les soirées, dans les... On est milieu parisien quand tu es arrivé. Exact. Dans les showcases. La langue légère. C'est lui qui t'a un peu ouvert les pistes là. Exactement. Donc c'est, pour moi, c'est un père, ouais, un parrain, et une maman. Ok, une maman. En tout cas, nous sommes contents de recevoir Elvis Kelouba parmi nous ici. Elvis, en tout cas, tu nous as presque tout dit sur ton sujet. Oui. Mais dis-nous, alors qu'est-ce qui va se passer après? Quel est ton projet après ce titre? Après ce titre, il y aura Au Sommet. C'est l'album qui va venir. Mais avant Au Sommet, il y aura Champion. Et après Champion, c'est On peut, le peuple. Au pays d'Angela, Quéléléo, tu dis bonjour à papa, papa c'est ton néo, mais pourtant tu peux le dire, mémé, on va lancer. Alors, Elise, qu'est-ce que tu vas dire de ce que je veux sortir, de ce que je remarque, moi, ou même les Congolais? Pourquoi vous ne décollez pas tous, les musiciens du Congo Brazza? Ici en France, chacun fait ses efforts dans son coin, vous vous éparpillez, mais il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Là, nous, on reçoit beaucoup d'artistes ici. Ils viennent à un clip, ils font des commentaires, mais après, il n'y a pas de suite, pas de suivi. J'ai peur que toi, tu puisses connaître le même chemin que eux.
qui viennent ici. Il n'y a rien, il n'y a pas d'écho. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour que vous puissiez vous faire entendre au moins? On va vous trouver sur Trace Africa, on peut vous trouver sur les chaînes de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi vous êtes sectaire? Vous êtes limité qu'au Congo et il n'y a même rien de bon. Vous vous noyez tous pour la plupart. Je ne parle pas de toi pour l'instant, parce que tu es encore debout. Merci pour cette question. Et j'attendais cette question-là. Et je suis fier de répondre à ça. Oui. Et ce que moi je vais demander, c'est quoi? Aujourd'hui, chacun de nous vit par rapport à sa vision. Oui. Par rapport à ses marques. Tu es qui? Je vais devenir qui? Tu traînes avec qui? Pour faire quoi? Oui. Et moi, pour ceux, ce que je demande d'abord, moi, personnellement, j'ai fait mes premiers pas. Vous savez, seul, on peut pas aller plus vite ou plus loin. Mais accompagné, on peut aller plus vite ou plus loin. Ouais. Moi, ce que je demande, par rapport à ma vision, par rapport à la question que vous venez de me poser, je demande juste qu'on m'accorde un soutien. Oui. Pour que ton côté à la maman Kamboana. Soutien, non, non, plus au soutien. Nazo ciblé les fans de la bonne musique. Ezala ba oyo ba koki bozala na makoki, parce que tu vois aujourd'hui le soutien ça veut pas dire que de l'argent juste. Mutumusa bobenga bi ki dit moi j'ai un contact. Par rapport à cette contact on peut faire ceci. Moi ma spécialité c'est écrire, créer des concepts, faire de la musique. Mais il y a des managers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a des managers, il y a toute une équipe qui est là. Autour. Moi, je propose ma vision, mon savoir, et je demande par cette occasion, pour ne pas que Isoukake, pour tous les assimilés à ma musicien. D'accord. Qui est, pour yo bazo, mon aki, tu vois ça la macambo. Baya. Makambo et Ali. D'accord. En tout cas, notre invité, Elvis Kelouba, ancien sociétaire de plusieurs groupes, il est animé chez Doudou Kopa. Après, il est arrivé chez Quentin Moesco, qui t'a emmené en France. Ouais. Finalement, au Comina, on a vu de foyer, puis les sous-sous, aux apapa, ben, moi, c'est Nanda, on a vu privé, au Kouloubaté, sur Olingi, mais il ça l'a fait bien, la Bamat, au Banagarayo. Non, mais c'est comme on a dit, tu vois, tu vois, qui comme la biberon, tu vois, mandé fou bimi, bon, au bout d'un moment, qu'ils ont senti que vie de famille, il y en a d'autres. Bah, souhaiter, n'a pas en goûté, c'est le choix de tout un chacun de mon gars, papa, y'a ban à marier, père de famille, quoi. Oh,
Nazali pe moto ekela munzambe atinda na mokili soki nyongo eboloba na futa naliao atonda solo nyongo na telema o alula nde ba patui oui ngala ko leza ki fosa fe mais siko ndenge ba ba lomela ki na ba ide bazala ki nango ngala ebite normalement bref Garçon, je vais mettre la guitare dans le t-shirt. Je vais être jaloux. Je vais être accompagnateur. Vrai, gentil, je vais être jaloux. Je vais être sûr que je vais être en train de faire ça. Je ne sais pas du tout. Je vais minimiser. Je vais être jaloux. Je vais intoxiquer tout le monde. Je vais être en train de faire beaucoup plus confiance dans le patron. Pour le patron, je vais être en train de faire ça. Je vais être en patron. Viens t'envoyer. Pas tout naturel, mais la mort de la zac, la bengalingaï, la bengalingaï, viens au bengal dans un restaurant à Kiti. Oh, ils ont une toxicotine dans le musicien, c'est un bon, il y a un concert, on a dit, oh, qui a un problème présent. Oh, c'est ce que moi j'ai appris à présent. Là, la tine de mon côté, c'est un bon, et puis, on a dit, on a un côté mouvement, on a un
Nayaka Simba Moutete dans le beau retour dans un mouvement. Ce qui m'a le mieux de moi, peut-être les abajanou, peut-être les abajanou, pour vous tâter avec le Kanana, qui est au Kanga, là où il va la mission du Kambou, ou bien non. Tant que vous avez son cas, celui du Kambou, les Aloba. Oh non, on a mon nom, on a copé ça à moi. Maïbe, Natika, on a dit, ah, je n'ai pas de raison, on a qui m'a dit. Oh, quand on a mon nom, il faut que ça soit ça. Tout à l'heure, après. Ok, il n'y a pas de souci, mais. Vous êtes dans le passeport, on a un passeport, on a un après. D'accord. On a un colo, on a un déranger, on a un bousculé, on a un tiki. Et au balise, dans le monde, il y a une musique, tu vois. Au seul cas, un musicien bonnet pour voyager, besoin de un passeport. Et ça, pour comme ça, j'ai beaucoup de respect pour ma présence, je sais. Besoin de un passeport. Non, mais ça, on a un passeport, on a quand on a Zaiko, on a des femmes sur les Zaiko, mais c'est le même nom d'ailleurs dans Zaiko. Dans le mot Zaiko, on a signé passeport. Présent, je sais que c'est un problème avec l'air de passeport. Quand on a déjà passeport, on a le même problème. Au président, mon côté, vous savez, on a un t-shirt, on a déjà passeport, on a été passeport, on a été et même abattu. Et même abattu. Moutoukena, il y a un passeport, on a artiste et ministère, du problème, on a un passeport. On a un habitat, t'as un grand-père. Nicolas Koyoka, un petit artiste, il y a un comparateur. Un comparateur, moi, je suis à Congo. Tout le monde est à Paris, il y a un grand tournant à passeport. Il y a deux personnes. Là, il y a un Lobango. Il y a deux personnes. Le seul, on a les lots. Les lots, il y a celui qui est à Congo. Il y a celui qui est à Paris Saint-Joseph. Il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. C'est le seul où on a les lots. Il y a celui qui est à Congo. Il y a un président de l'Union. Sans discussion, mais dans le moins, ça il passe peut-être. On va couper ses passeports. Si ma présence, on est dans la date à 6, on est dans la musique à Congo, dans la musique. Tu crois qu'on a un ticket dans Nairobi? Tu es dans Nairobi? Bakima, à Juni, dans la mission, il y a un pou! Bakimi, tu es dans le monde, on fait ça à Kendaki. Ah! Ce que tout ça a à très bien, c'est 5 ou 6 personnes. Ce que tout ça a à Nairobi, ma conseil est payé ici. Il faut tout bien en terme. Ce que tout ça là, comment? Le rôle à la relation en aïe. Ah, je vais t'en m'occuper. Nous avons pas pu se connaître si quelqu'un vient place au ça. Branchant à la moi battu. Bengi Batouana, baillé le roi, baillé le conseil, baillé, m'expliquer ma situation. Ah, il y a ce nom à bien, oui. Ah, mais je suis tout ébattu. Je suis tout ébattu. Là, dit, ah, ce que tu sens, mais je me suis dit, dans le consulat, je suis sur l'ambassade. Je suis comme ambassadeur. Je suis mon bon, je suis mon gars. Je suis comme ça. Ah, il y a un consulat, il y a un moko, il y a un consulat. Mais grand-père, c'est que tu as dit, 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 ah. C'est la mission de Ténali, à foutre la mission de Billy, toujours avion, toujours à Kisasa. Quand on a besoin de Kisasa, ma fanatique à grand-père, petit Morobo et Coco, à Simbela, on a l'indala. Oui, bien sûr, vous avez dit que vous voyez une femme. À Simbela, on a dans le bas Coco. Après, ça n'a pas de mots, on a pris la main, tout ça n'a pas de mots. À Simbela, on a l'indala. Bah, on sait quand là. On a parlé qu'il y a grand-père, bah, on sait quand là. La victoire, la vis-à-vis. La taliban, la réunion, la haute salade. On va aussi me rallier, la on a un peu de temps. Malgré tout, vous avez des chasses, vous avez un t-shirt. Dans le mois qui est déjà dans la. Nairobi, déjà dans la salle de l'eau. Pour la haine, c'est un peu de temps, il y a un avion, il y a un t-shirt à partir de là. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, on va aller à la bunda, dans le côté de nous. Donc, à réunion, pour il fallait battre sur la langue, dans les réunions, on a mis le bassin de la mandala. Eh, et si, eh, non, quand on a visé ici, eh, la tourna, moto, laquelle on a une direction qui me pose. D'ailleurs, on a vu que je viens de Mali, Simon Konga, dans Goliath, je me suis dit, on a la garde civile. Ah, Simon Konga, à Barumbo, ouais, à Barumbo, à Maïga, à Koufa, on a un grand frère, on a fait son âme. Bamonda, oh, tellement la télé, d'ailleurs, la paix, c'est Barumbo. Yo,
Toki, mamie, la lobby, la télévision, tout le monde, Batikino, la bozi, deuxième tour de la nation, la Nouak. Consul, on a tout sur la boue. Président de Salemba, à Gare. Kougara, tu gara, qui t'a la voiture, le roi la baye, bana qui baron la baron. Président! Tout ce qui musicien, musicien! Président de Salemba, tout. Yo, tu président de Tikali. Oh! Tu t'es dit comment? Yo, les mains, mon gars, j'ai invité à m'aimer ma musicienne, hein? Ah! Musique qui m'a mis chez Araka, mais au sens qu'on est présent. On va y aller là. Oh! Robert, t'as dit qu'on est présent. Oh, il nous sera là-bas. Yango et Salam. Ami, bon, attends, ami, il est présent de ça. Dans un appétit dehors, on a un musicien. Ah oui, oui, oui. Bon, le banan est cajou. Répé, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a des cajou? Qu'est-ce qui se passe? Expliquer, tala, le nom écoute à tel endroit, la Nairobi, va botter dans votre passeport, Naya en cascade, elle s'en va dans l'embo. Pour l'en acte, c'est ok. Mais, le roi tout ça là-bas, Mary Jo, ma oncle Babius, ma administrateur, il faut lettre de demande d'emploi. Ça, lettre de demande d'emploi dans le pays, après ça, c'est les habits qui m'ont répété, dans des mots, et puis tant, dans deux semaines, au lit. Qu'est-ce que tu as ma casse et ma casse les aigles, elles ont plus de 150 musiciens. 150 personnes. Le Pénacati. Non, la casse. Tous en a 150 artistes. Na Kimpon, dans la Ropa Kimpon, dans la Ropa. La bise au honorable Paul Balenza. Yéné, ou dans la Ozoa. Ma artiste, président Pémine, Zambra Dié, honorable Paul Balenza, Yadjimi Yaba, Azana Poto, Yadjé Mangaya, Naïté Soki Aza, en bonne santé, ou bien Azara toujours en convalescence. Na Badmina, Mérijo, na de frère Mary Jo, na oncle Batus, ma fanny, tu vas dire comment Papi Cocaïne a renforcé hier non non animation pour la Saïko Zara de Mater Moko, non non Mouzoulou. Yesuko Yake a renforcé non non animation. Na chant, on a eu pour renforcer ce qu'on chant, na Kotaki, vient dans la Endo, Yatilon, na Via Damo. Ouais, on appelle Nayewana na Bakisami, et puis présent Josa. Après, Willy Boulaye, là Saïko et après. C'est qu'on a fait bouillir qui n'en peut pas bien. Si tu n'en peux pas bien. Ma mère, j'ai talent à y n'a pas de vie à zéro. Li colo et à mon bali, fungo la miso. Li kambo fami bape ki saki na boya ki koyo kaye. Mon bali a zali. Mette à l'hôpital, ma. Et ça, c'est ma mère, Jo. Tu travailles et pas dans là. On en a foutu là. Loin là, dans le côté beau marché. Tu travailles en Ngaï, 6 000, na chef na disons modeste et modikilo. Tu bandes de 23h, 5h du matin, bah on va kenga la tsikali kola la, na tongo na mou, na la tsikali kola la, na tongo na la mou ki tu sala pour studio na l'éco, na limité. Tu sala on a boutou, tu bandes de 23h, 5h, tu kabouani. Donc voilà, mingé pe, fou la biso. Zaiko, ou pesi batou, esengo. Nindi le sou gouela. Soki na t-shirt kuna accompagnateur ndatako mal à l'aise. Wa accompagnateur kitoko pas na na t-shirt da zonga mingi. Janvier au kota. Zonga basingane ndi zobeta. Kaza iko le sou gouela nini. Deyo, outi pa ya o babinga koko ya grand-père. Grand-père. Na benga ina tamo le pigeon voyageur. Moli monane kote la kio de tamo la tamo la to ndingi. Non, c'est pas ça. On va dire la Kibujane, c'est ça fait moi le poste mon voyage avec le Komeka Meka. Mais maintenant, dans Zaïko, dans le mois qui vraiment n'a rage, dans le mois qui n'a pas de mot, mon ok, nous sommes bêtes à Zaïko pour aller me représenter le Sara Koufa à tirer à Zaïko. Non, c'est qu'elle est. Pour me dire que le mois, c'est à cause de Naï. Non, ma ouba tirer à la photo, c'est à cause de Moutouana à Zaka tirer à Zaïko. Parce que dans le mois Zaïko, pour aller à Zaïko, nous sommes allés tirer à Zaïko. Mais nous avons des gens qui ont été très bien. Et aussi, nous avons des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui ont été très bien. Est-ce que tu attends pour moi, le président Jossard,
Bande Arnaud. Ya lokolo yambe, waka lokolo yambe. Marco Kamolera. Baikelelema, yeba ndumba babonga bisya. Dona. Welu kwenda yayo, ya kumamba chukwenda wo. Yekintalu yesalaka baketo yayo. Ya lokolo yambe. Ute kaziwa Ernesto. Ya lokolo yambe, waka lokolo yambe. C'est la fin du mando, c'est la guerre au Congo. Quand la balle est dite au dito, il n'y a pas de choix sinon. Pas précieux. Si tu ne fais pas Michani Manchero, au cadavre. Il y avait que les coups de matraque qui passent au patata au cadavre. Fabrice Moulouka Petit Ballon. D'autres. Ouais. Mais surtout, on met des boules de caisse tout le temps. Surtout nous, on est tout le temps soit sur scène, soit en train d'écouter des choses. Donc, ouais, il nous faut des boules de caisse, c'est obligatoire. Mais c'est facile de s'allumer les oreilles, vraiment, c'est très facile. Moi, là, en 3 ans, j'entends pas très bien du côté droit. Quoi. Mais pour pas grand chose, en fait. Pour pas grand chose, il suffit d'être en concert. Je vais enlever un bouchon qui me protège parce que je vais parler aux gens. Il suffit que d'un coup ça crie très fort et ça y est, c'est foutu quoi. Et il suffit pas que ce soit très très fort en fait pour que ça fasse mal. Il suffit d'être un peu fatigué. Si tu tombes sur un jour où t'es fatigué, t'as pas trop dormi, t'es malade ou quoi, un bruit, une sirène dans la rue, pète le tympan. Et c'est fini. Ah ouais. C'est assez flippant quand même quand on voit que tous les jeunes, tous écoutent la musique, ont tous des écouteurs dans les oreilles. C'est un vrai problème. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez Alors, on n'en parle pas assez, oui, et c'est surtout qu'en fait... Il ne faut pas se culpabiliser d'écouter de la musique non plus. Hein. Ouais. C'est important, mais quand même, de faire attention quand on sent que c'est trop fort, et de pas d'avoir le réflexe de dire que c'est trop fort, le verbaliser, le moins. Ouais, et puis on a la chance vraiment que sur les smartphones, il y a marqué quand t'es dans le rouge aussi, donc ça c'est cool, juste avant la limite orange. Non, mais justement, je me demande si ça incite pas, genre attends, si je vais dans le rouge, c'est que je vais mieux entendre tout, on entend moins bien quand c'est fort. Bien les moi je trouve c'est cool ce qu'ils ont fait. Bon peut-être voilà, faut ça dépend des voilà. C'est vrai que du coup c'est pas très fort. Enfin, moi qui écoute la musique forte, c'est vrai que le truc de smartphone c'est. T'es là, j'entends rien. Mais bon. Non mais en fait faut s'habituer aussi, c'est une question d'habitude. Plus tu t'habitues à écouter du son fort, plus t'en écouteras fort quoi. Bah, oui. Donc dès votre plus jeune âge, il faut. Mais oui, et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de s'endormir en écoutant la musique. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Et moi j'ai une amie qui a fait ça et qui est devenue sourde. Une oreille à cause de ça, parce qu'en plus elle avait la musique à fond et du coup ça c'est faut vérifier quand même avant d'entendre bien d'éteindre ces trucs ou alors de le mettre vraiment très très bas mais et encore parce que ça sollicite l'oreille tout le temps donc
Oui, mais c'est surtout, en fait, je pense que le plus gros problème, c'est que tout le monde le sait. Enfin, en tout cas, tous les jeunes le savent, mais personne ne le fait parce que tout le monde trouve ça ringard de le faire. Mmh. Tout le monde trouve ça ringard de mettre des bouchons d'oreilles. C'est la meuf super chante dans la soirée, tu mets des boules de caisse. Ouais, en fait, non, on s'en fout, quoi. Pas du tout. C'est pas du tout ringard. C'est personne pas du tout. C'est ringard. Moi, perso, je me dis ça à moi, mais quelqu'un qui fait ça. Mawananga, bonne zangambo à volonté. Bomba Kapondo nanda kwa tabate Rodrigue Rombo Chuba I'm not afraid to die.
tu chabi soy milangito le gars.